Ça ne sent pas le sang. Pouah, ça sent la fève de cacao brûlée. Ça sent la fève. Oui, et l'écorce de l'arbre aussi. Et de la noix de coco. Et pourquoi fais-tu ça, mamie? Pourquoi penses-tu qu'on fait du savon? Mais tu as déjà beaucoup de savon pour te laver, non? C'est avant le voyant. Alors, tu vois, mon ami, comment cela me pose un problème. Mais un bon problème, je l'avoue. Jirou et de nombreux autres enfants viennent régulièrement à l'école. C'est génial, mais avec tous ces élèves maintenant, ça devient urgent de trouver l'argent pour construire une nouvelle classe. Je ne peux pas t'aider. Avec la mauvaise dernière école, je ne peux même pas payer ses livres. Et ta femme? Et tu veux dire avec les activités dont vous parlez au comité de protection de l'enfant? Nous les appelons activités génératrices de revenus, telles que la production de manioc et de maïs. Je ne sais pas. Que peut-elle faire pour qu'on pourrait revendre? Du savon, par exemple. Eh bien oui, je fais beaucoup de savon pour le vendre. Mais pour toi, Guillaume, c'est gratuit. Merci, mamie. Sinon, ça coûte combien? 300 francs CFA. C'est vrai? Je plaisante. Pour le temps en entier, je peux faire 3000 francs CFA de bénéfices. Aïe à ces livres de l'école grâce à la vente du savon. Oh, moi aussi je veux faire du savon. Peux-tu m'apprendre? Ah non, mon garçon. Toi, tu vas à l'école. Mais ta mère, je l'espère, voudra bien le faire à ta place. Qui prendra ta place comme planteur de cacao? Moi, j'apprends ce moment avec papa. Oui, nous avons besoin de plus de jeunes planteurs. Et ça, c'est du bon travail pour les femmes aussi. Je suis sûr que tu auras du succès, Aya. Tu seras riche. Eh, les gens n'aiment pas les gens, mais l'argent des gens. Mais Aya, même sans argent, moi je...